notre conférence d'ouverture, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir un deuxième ministre, puisque Cécile Duflot a été ministre, Luc Ferry, qui nous fait le plaisir de faire la conférence inaugurale, a été également ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d'État en sciences politiques, comme je l'ai dit, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Luc Ferry est un auteur prolifique, nombreux ouvrages qui connaissent un vif succès, aussi bien en France qu'à l'étranger. Apprendre à vivre, par exemple, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, pour une spiritualité laïque, qui a également été un grand succès. Sagesse d'hier et d'aujourd'hui, les livres de Luc Ferry sont traduits dans plus de 20 pays. Luc Ferry est régulièrement chroniqueur dans les médias, aussi bien à Radio Classique, à LCI, que dans les journaux et quotidiens. Et c'est pour nous un honneur de commencer cette semaine avec cette nécessité de prise de hauteur, vis-à-vis de ce que nous devons avoir nous-mêmes et ce que nous devons faire, comme l'a dit Cécile Duflot, pendant les prochaines années, mais aussi pour l'ici et maintenant. Je vous demande très chaleureusement d'accueillir pour la conférence inaugurale M. Luc Ferry. Un grand merci à vous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais vous expliquer très simplement pourquoi vous aurez, très probablement, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, vous aurez trois vies privées très différentes et trois vies publiques ou trois vies professionnelles très différentes. Vous changerez de vie probablement comme moi, d'ailleurs je l'ai déjà fait tous les 10 ans ou tous les 8 ans, et c'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, qui vient de loin et qui est lié à deux révolutions que nous sommes en train de vivre, des révolutions qui viennent de loin, elles viennent déjà du 18-19e siècle. D'un côté, une révolution dans la vie privée, ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire la naissance de la famille moderne en Europe, qui est une histoire extrêmement intéressante et qui touche pas seulement la vie privée, qui touche aussi la vie publique et politique. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. Et puis nous vivons évidemment une troisième révolution industrielle. Ne dites pas quatrième, parlez pas de quatrième révolution industrielle, c'est idiot. Il y en a que trois, et qui est la révolution industrielle de l'intelligence artificielle, de la robotique et du digital, de la convergence de ces trois innovations digitales, robotiques et surtout intelligence artificielle. Mais il n'y a pas quatre révolutions industrielles, il n'y en a que trois, et pour des raisons de fond, parce que les révolutions industrielles sont épaisses dans le temps. Ces deux révolutions, la révolution de la famille moderne, dans la vie privée, mais aussi publique et politique, et puis la révolution de l'intelligence artificielle, elles sont en train de bouleverser nos vies davantage dans les 40 ou 50 ans qui viennent que dans les 4000 ou 5000 ans qui précèdent. Ça va tout changer. Donc quand on parle de transition, il va y en avoir beaucoup, et aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle et publique et politique. Commençons par la révolution de la famille moderne. Ça paraît bizarre toujours de parler de vie privée quand on est en public, mais vous verrez que ça a des conséquences aussi sur la vie publique, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs deux fois. Les historiens de ce qu'on appelle la vie privée, on a appelé ça l'histoire des mentalités ou la nouvelle histoire dans les années 50, le premier grand historien, c'est Philippe Ariès. Il s'est intéressé à la vie privée, à l'histoire de la vie privée, ce qui n'avait jamais intéressé avant lui les historiens. Les historiens avant s'étaient intéressés à la vie politique, à l'histoire des arts, à l'histoire économique, à l'histoire des batailles, à l'histoire des guerres, à l'histoire diplomatique, mais jamais on s'était intéressé à la question de savoir comment les individus lambda, le petit paysan de Corrèze ou d'Auvergne, comment ils vivaient, comment ils se mariaient, comment ils élevaient leurs enfants, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils mouraient. Et Ariès, Philippe Ariès, un grand historien français qui est mort aujourd'hui, s'intéresse à la vie privée. Il crée ce qu'on appelle à l'époque la nouvelle histoire ou l'histoire des mentalités, l'histoire de la vie privée, qui dure pour beaucoup, mon ami Michel Perrault va continuer le travail, et l'histoire des femmes, puisque les femmes, évidemment, pendant des siècles et des siècles, ont habité la vie privée avant tout. Et donc c'est une histoire passionnante. Est-ce que ces historiens, il y en a maintenant beaucoup, Philippe Ariès est le pionnier, mais il y a par exemple, je vous conseille un livre formidable, qui est un historien américain qui s'appelle Edward Shorter, qui a créé un livre qui est traduit en français, qui s'appelle « La naissance de la famille moderne », tout simplement, qui est formidable. Mais il y a d'autres médiévistes, comme Jean-Louis Flandrin, sur l'histoire de l'enfance, absolument fascinant. Et si je vous le raconte, encore une fois, c'est que ça ne touche pas seulement la vie privée, même si ça la touche beaucoup. Ce que nous ont appris les historiens, c'est trois choses fondamentales et qui aujourd'hui sont omniprésentes dans nos vies. La première chose, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour, ça n'existe pas.
On se mariait pour trois raisons qui n'avaient rien à voir avec le sentiment. Le mariage d'amour n'existait pas. Quelquefois, les gens s'aimaient dans la famille, dans le mariage. C'était recommandé par l'Église, mais c'était relativement rare. Et tous les grands mythes amoureux du Moyen-Âge, le plus grand c'est Tristan et Isolde, sont des mythes hors mariage. La passion amoureuse, elle est par définition, si je puis dire, et vous allez comprendre pourquoi, elle est hors mariage. Donc l'époux ou l'épouse, ce n'est pas des gens qu'on aime de passion érotique, de passion amoureuse, on s'en garde bien. Et donc ce que nous apprennent les historiens, c'est qu'au Moyen-Âge, on se marie d'abord et avant tout pour assurer ce qu'on appelle en histoire le lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné. Et puis comme au Moyen-Âge, il n'y a pas de salariat, le capitalisme n'existe pas encore, eh bien on vit dans la ferme, on fait tourner la ferme, si je puis dire, avec les oncles, les tantes, les neveux, les cousins, les enfants, il faut des bras. Et donc les motifs du mariage sont le lignage, transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, et puis l'économie et la biologie. Il faut des bras. Le salarié, il y a quelques journaliers, mais globalement le salariat n'existe pas. Et donc le premier motif du mariage n'a aucun rapport avec l'amour. Montaigne, lisez Montaigne, c'est toujours une bonne chose à faire. D'ailleurs Antoine Compagnon, j'ai entendu qu'il allait venir ici, c'est un des grands spécialistes de Montaigne. Eh bien, dans le livre 3 des Essais, chapitre 5, ça c'est mon côté vieux prof, je vous donne une petite indication de lecture. Le chapitre 5 du livre 3 des Essais est consacré à la vie privée, et Montaigne n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser l'idée même de mariage d'amour, qui lui paraît absurde. Il écrit ceci, je cite de mémoire, mais j'ai hélas une mémoire d'éléphant, donc je ne change pas une virgule. Il écrit ceci, « J'ai eu parfois guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage. » Comme si l'amour était une pathologie et que guérir l'amour par le mariage était honteux et déshonorant. Et il ajoute ceci, qui n'était pas très élégant, mais on oublie que Montaigne écrivait comme Rabelais. Il écrit ceci, « Épouser la femme qu'on aime, dit-il, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. » C'était ma rubrique « Ami poète bonjour », mais c'est du Montaigne. Et donc, pourquoi il stigmatise le mariage d'amour? Parce qu'il a évidemment cette idée, qui d'ailleurs est très juste et avérée aujourd'hui, c'est que si vous fondez le mariage et la famille sur la passion amoureuse, vous le fondez sur du sable, parce que c'est variable, c'est fragile, ça change. Et ce que prévoit Montaigne, c'est la réalité d'aujourd'hui. 60% de nos mariages d'amour se terminent par un divorce au bout de 7 ans dans la vieille Europe, dans les grandes capitales d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on commence par l'amour-passion, mais la question de la transformation de l'amour-passion en quelque chose qui dure est évidemment une équation difficile à résoudre. Et s'il n'y avait pas les enfants, ce n'est pas 60% de divorce qu'on aurait, c'est 90%. Et donc c'est ça que veut dire Montaigne avec ces mots un peu durs sur le mariage d'amour. Le deuxième enseignement des historiens, il est très intéressant, il touche à une coutume qui domine tout le Moyen-Âge européen et qu'on appelle à l'époque le charivari. Aujourd'hui, on a gardé le mot en français, pas dans les jeunes générations, mais dans la mienne, on disait encore aux enfants « arrêtez ce charivari », ça veut dire « arrêtez le bordel, arrêtez de faire du bruit ». À l'époque, ce n'est pas ça le charivari, il y a une origine, mais le charivari, c'est une coutume du Moyen-Âge qui a passionné les historiens, parce qu'elle dit énormément de choses sur l'histoire de la famille. Eh bien, ce que raconte ce charivari, c'est ceci. À l'époque, au Moyen-Âge, quand un homme est cocu, ce qui arrive à l'époque comme aujourd'hui et réciproquement, c'est à peu près les mêmes chiffres, quand un type est trompé par sa femme, comme ce sont les villageois qui ont organisé le mariage est une affaire communautaire, on dirait aujourd'hui communautariste. Le mariage est l'occasion, par exemple, de réconcilier des familles qui se sont fâchées et de mettre ensemble des pièces de terrain qu'on pourra cultiver plus facilement. J'étais au Cambodge il y a 15 jours, la jeune femme qui était interprète elle me disait que ses parents s'étaient rencontrés 48 heures avant le mariage. Et donc le mariage était évidemment organisé, non seulement comme dans les pièces de Molière par les parents, mais organisé par le village tout entier. C'était une fête communautaire. Et donc quand un type était cocu, eh bien, les villageois allaient le chercher dans son champ, le malheureux. On l'asseyait, figurez-vous, à l'envers sur un âne, à l'envers pour montrer qu'il n'allait pas droit. Et ce qui est amusant, c'est que toutes ces coutumes ont donné lieu à un vocabulaire spécifique, ce qui veut dire qu'elles étaient très habituelles. On appelait ça l'azouade. On asseyait donc le malheureux cocu à l'envers sur son âne, on lui faisait traverser le village sous les légumes pourris, on lui crachait dessus, on le cognait un peu, on se moquait de lui, et puis on remettait les deux époux dans leur maison, et là commençait le charivari. On tapait jusqu'à 48 heures sur les murs de la maison pour rappeler la loi du mariage qui, malgré tout, est la fidélité, malgré tout.
Comme il n'y avait pas d'amour-passion, il n'y avait pas de jalousie, mais l'impératif de fidélité et de lignage était quand même obligatoire. Ma vieille amie, enfin je ne devrais pas dire vieille, je veux dire que ça fait longtemps qu'on se connaît, Eve Ruggieri me racontait une anecdote dont elle me jure qu'elle est vraie, comme on dit en italien, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé, mais je crois qu'elle est vraie. C'est l'histoire d'un aristocrate qui part pour un long voyage, on est au Moyen-Âge, et évidemment il n'y a pas le téléphone. Il faut jamais faire ça. Il rentre à l'improviste et le malheureux trouve sa femme agenouillée devant son meilleur ami, qui est le châtelain de la côté, en train de pratiquer ce qu'on appelle communément une bonne manière, ou une gâterie. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Je vois que madame rit beaucoup, donc elle sait ce que c'est. Et... ce qui est bon signe, très rassurant. Et donc le mari, tout de même un peu choqué, met les mains sur les hanches et lui dit « Mais enfin, madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit entré dans la pièce. » C'eût été évidemment très gênant. Et donc, pas de jalousie, mais souci du lignage, souci de fidélité, parce que lignage, évidemment. Et puis le troisième enseignement des historiens, qui est très intéressant, et ça va me conduire à ma deuxième révolution, ne croyez pas que ce sont des jeunes bohèmes, des 68 ans avant la lettre, qui ont inventé le mariage d'amour, la liberté dans le mariage choisi. C'est pas ça, c'est le capitalisme qui a inventé le mariage d'amour. Et pourquoi le capitalisme a-t-il inventé le mariage d'amour? C'est la grande thèse d'Edward Shorter, il a évidemment raison, dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, La naissance de la famille moderne. Eh bien, le capitalisme invente, figurez-vous, le salariat. Ça, on sait. Et il invente le marché du travail. Ça, on sait aussi. Eh bien, le capitalisme va, en même temps que le salariat et le marché du travail, il va inventer ce qu'on appelle en 1830, le mot apparaît en 1830, l'individualisme. L'individualisme n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'individualisme, c'est l'émancipation des individus, notamment des femmes, à l'égard des structures religieuses et villageoises traditionnelles. C'est la naissance de l'individu libre, autonome. Eh bien, c'est largement l'histoire des femmes, d'ailleurs. Ce mariage d'amour va être inventé par le marché du travail, par le capitalisme et par le salariat. Je vous donne un exemple qui est d'ailleurs une monographie réelle. Mettez-vous à la place d'une petite Bretonne de 15 ans qui va sortir de son village pour monter, comme on dit, travailler à la ville. Par exemple, elle va aller à Nantes travailler dans une usine où on fabrique des boîtes de sardines. Eh bien, cette gamine, au lieu de la taper le matin pour la sortir du lit et aller garder les vaches, on va la payer pour travailler. Le salariat, au départ, c'est une formidable émancipation, notamment pour les femmes. Si vous voulez vous marier librement ou divorcer librement, mieux vaut avoir un revenu, sinon vous êtes feinté. Et donc cette gamine, elle va se retrouver avec une double liberté qui va être à l'origine du mariage d'amour et de la famille moderne. La première liberté, comme je vous le disais, c'est l'autonomie financière, qui va lui permettre de prendre une chambre de bonne, par exemple, avec une copine à elle, et qui va lui permettre de dire au village « Non, je ne veux pas être marié, je veux me marier ». Et évidemment, si elle veut se marier librement, eh bien c'est par amour qu'elle va vouloir se marier, par affinité élective, avec le jeune homme bienfait qui travaille là-bas à l'établi, et pour lequel, comme on dit, elle éprouve du sentiment. Double liberté, l'autonomie financière, mais la distance avec le curé du village, avec la famille, avec les gens qui vous mariaient. Je dirais pas de force, mais sans qu'on lui demandât son avis à cette jeune fille. Et donc, muni de cette double liberté, la distance avec le village, mais aussi l'autonomie financière, eh bien, elle va inventer, si je puis dire, cette jeune fille, le mariage choisi librement et non pas imposé par les parents ou par le village, et le mariage choisi par amour. Et donc ce mariage d'amour, il va avoir une conséquence politique, si je puis dire, considérable, pas simplement dans la vie privée. Dans la vie privée, il y aura deux conséquences majeures, l'une que j'ai déjà évoquée, le divorce. La loi sur le divorce en France 1884, elle est terrible, c'est plus que le débat sur le mariage gay en termes de polémique avec l'Église. Divorce, l'Église est là à dire « mais tout fout le camp, c'est fichu, la famille est morte ». En vérité, ce n'est pas la famille qui est morte, c'est la première fois qu'on voit naître la famille moderne, qui est une famille, à mon avis, mille fois supérieure à la famille ancienne. Qui a envie, quelle femme ici aurait envie d'être mariée de force par le village? Personne. Et donc, ce n'est pas du tout la fin de la famille, c'est la naissance d'un autre régime de la famille. Et puis, évidemment, deuxième conséquence sur le plan privé, un amour exponentiel des enfants.
Au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants, contrairement à Elisabeth Badinter a tout à fait raison là-dessus. On n'aime pas les enfants au Moyen-Âge, et l'amour maternel n'a rien de naturel, ou pas, en tout cas pas tant qu'on l'a cru, et donc on n'aime pas vraiment les enfants. Ce que montre très bien Jean-Louis Flandrin, le plus grand médiéviste français sur le sujet, c'est que la mise à mort des enfants au Moyen-Âge est considérable. On retrouve dans les homélies des prêtres jusqu'au XVIIIe siècle cette admonestation faite aux pères de ne pas dormir avec les nourrissons. Moi qui ai vécu à la campagne pendant 25 ans, on sait très bien qu'on retire les porcelets à la truie dès qu'elle met bas parce que sinon elle les écrase. Ben là, c'est le père de famille qui écrase les enfants. Et donc, je cite aussi dans mon livre sur la famille moderne, je cite le cas d'un garde champêtre qui, en hiver chaque matin, raconte qu'il dépose sur le pas de l'église deux ou trois petits morts qu'il a mis dans sa hotte, et il dit chaque fois je prends trois nourrissons qui sont abandonnés, j'en dépose trois sur le parvis de l'église, et chaque fois un ou deux sont morts, au vu et au su de tout le monde s'en fout. Le petit pousset est une histoire vraie, sauf évidemment les bottes de sept lieues. Mais l'abandon des enfants, John Boswell a montré ça dans un livre publié chez Gallimard, jusqu'au début du 19e siècle, 30% des petits Français sont abandonnés, c'est énorme. Son livre sur l'oblation d'enfants, considérable. Et donc, pourquoi ? Parce que, évidemment, dans une famille pauvre, le premier enfant, lignage oblige, c'est important, le deuxième, il faut une roue de secours, mais le troisième, c'est déjà une catastrophe. Et comme le préservatif en peau de mouton n'est pas d'une efficacité débordante, eh bien, voilà, les enfants naissent, et puis la mise à mort est quasiment obligatoire à partir du troisième ou du quatrième. Nous, évidemment, dans nos familles, bon, il y a encore des femmes qui congèlent les bébés, mais enfin, c'est relativement rare, on va se mettre à aimer les enfants de manière exponentielle. Le deuil d'un enfant qui était moins grave que celui d'un cochon ou d'un cheval au Moyen-Âge est aujourd'hui la pire chose qui puisse arriver dans une famille. Et donc, on a, troisième conséquence, qui, elle, va modifier la vie publique et politique autant que la vie privée, une révolution dans l'ordre du sacré. Très important, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le sacré, ça n'est pas l'opposé du profane. Ne croyez pas les dictionnaires ou les philosophes qui vous disent que le sacré, c'est juste le religieux opposé au profane. Ce n'est pas du tout ça. Le sacré, c'est le lieu du sacrilège et du sacrifice. Le sacré, ce que je considère comme sacré, si vous y touchez, c'est sacrilège. Et si vous y touchez, je peux prendre les armes, je peux risquer ma vie pour défendre ce que je considère comme sacré. Il y a trois figures du sacré dans l'histoire du monde, c'est l'histoire des guerres. Pourquoi les humains ont pris les armes, ont risqué leur vie. Trois figures du sacré. On est mort pour Dieu. Les guerres de religion ont été les pires. Et ça a disparu d'Europe, mais comme vous savez, ça reste encore présent ailleurs. On est mort pour la patrie. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts. Et on est mort pour la révolution. 120 millions de morts, le communisme à lui tout seul. 70 millions rien qu'en Chine, la révolution culturelle chinoise. On est mort pour Dieu, pour la patrie, pour la révolution, c'est les trois figures du sacré. Eh bien, ce que j'ai développé dans mes livres depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est que ces trois figures du sacré sont mortes en Europe. Plus personne en Europe, il n'y a plus de fous de Dieu, ou alors ils viennent d'ailleurs. La patrie, il y a peut-être des patriotes, mais pas comme au temps du général Nivelle, qui fait mourir 160 gamins en 1917 pour prendre une colline dont on n'a rien à foutre. Aucune famille n'accepterait ça aujourd'hui. Et quant aux révolutionnaires, il n'y en a plus en Europe. Même Mélenchon est pour le droit de vote et pour les élections libres. Et il est républicain, c'est en fait un social-démocrate un peu dur, mais c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un bolchevique. Ces trois figures du sacré sont mortes. En revanche, pour les gens que nous aimons, nous serions prêts à prendre les armes. Autrement dit, ce que nous vivons, je ne développe pas ça davantage, c'est la sacralisation de l'humain. Avec une question que les écologistes ont été les premiers à comprendre, je ne suis pas très écolo, mais là-dessus, je pense qu'ils ont mille fois raison. La grande question n'est plus comme en 1968, quand j'étais gamin. À gauche, c'était la révolution, à droite, c'était la nation. Le journal des gaullistes s'appelait La Nation. Pas pour rien. C'est Villepin représentait encore ça, la France. Bon, tout ça est mort en vérité. La nation d'un côté, la révolution, c'est mort. En Europe, même Marine Le Pen n'est pas nationaliste comme l'était le général Nivelle. Ça n'a rien à voir. C'est pas mortifère, ça ne porte pas la mort. En revanche, là où les écologistes ont mis le doigt dessus, la grande question, c'est la question quel monde allons-nous laisser aux générations qui viennent, c'est-à-dire à nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est pas les miens, c'est les nôtres. C'est les vôtres ou ceux que vous aurez bientôt.
Je ne sais pas si je dois vous le souhaiter, parce que ces enfants sont une source de joie incomparable et d'emmerdement infini. Donc c'est un mélange des deux qui est assez charmant, mais parfois un peu rude. Et donc, évidemment que je serais prêt à donner ma vie pour n'importe laquelle de mes filles, et en même temps, mon Dieu, que c'est compliqué. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et ça me conduit à la deuxième révolution, qui est, elle, publique, évidemment. Mais encore une fois, la question est fondamentale. Quel monde allons-nous laisser, nous les adultes, à ceux qui viennent? Quel monde? Est-ce qu'on va vous laisser, à vous, une dette, une ardoise? On a 2375 milliards d'euros de dette en France. Est-ce qu'on va continuer à déconner? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on va vous laisser un monde habitable, transition écologique? Est-ce qu'on va vous laisser un monde en guerre avec l'islam, ou en tout cas avec l'islamisme, etc. Est-ce qu'on va vous laisser un monde dans cette mondialisation compliquée et très libérale, où la protection sociale existera encore suffisamment pour vous? Que deviendra l'État-providence dans 20 ans? Toutes ces questions-là sont des questions qui sont ni révolutionnaires ni nationalistes, mais qui sont des questions qui sont liées à cette révolution du sacré. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Encore une fois, nos enfants, ce n'est pas la famille privée, ce n'est pas un repli sur la sphère privée, c'est un formidable élargissement de l'horizon. Quand je suis ministre de l'Éducation, je ne suis pas assez cinglé pour faire une réforme uniquement pour mes trois filles. Mais en même temps, quand je fais une réforme, si jamais je peux en faire une d'ailleurs, eh bien, quand je fais une réforme, je me dis, si ça s'appliquait à mes filles, est-ce que ce serait la bonne réforme? C'est un très bon critère pour moi, excellent critère. Deuxième révolution, très rapidement, mais elle est quand même la première est grandiose, parce qu'il y a 1000 harmoniques que je laisse de côté, comme on dit en musique, il y a 1000 ramifications que je laisse de côté, mais ça change vraiment la donne. Et c'est pourquoi je vous disais en commençant, vous aurez trois vies amoureuses, ou trois vies de famille, ou quatre, ou cinq, et c'est pas une catastrophe, contrairement à ce que les gens pensent, parce que la vérité, c'est que quand je regarde mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, la vérité, c'est que sur le plan privé comme sur le plan professionnel, ils étaient dans un entonnoir définitif à 18 ans, et ils ne pouvaient pas sortir du canal. Vous pourrez choisir. Bon, moi, je me suis marié trois fois, ce n'est pas forcément un modèle, mais je ne regrette pas, c'est comme ça. Et donc, la possibilité, en tout cas, de changer de vie privée, et j'ai aussi trois ou quatre vies professionnelles, de changer de vie professionnelle, c'est quelque chose de formidable. Mais ça demande évidemment un esprit d'adaptation et de créativité beaucoup plus grand que pour mes arrière-grands-parents, qui étaient encore une fois dans le tunnel depuis 18 ans jusqu'à leur mort. Et ils mourraient 2 ans après la retraite. Ce n'est pas ce que vous vivrez, mais profitez de cette liberté, c'est génial, c'est une immense chance. Ce n'est pas du tout un malheur que d'être obligé de changer trois fois d'amour ou de métier. La deuxième révolution, c'est la révolution donc, de l'intelligence artificielle, pour l'essentiel. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, je suis vraiment fasciné, j'ai eu la chance de discuter avec Yann Lequin, qui est l'inventeur du deep learning, qui est le pape, si je puis dire, de l'intelligence artificielle dans le monde, qui est le patron de l'IA chez Facebook, qui est un type génial et passionnant. Et puis, ça fait, comme je vous dis, 10 ans que je travaille là-dessus, je vous raconte les choses très vite. Cette troisième révolution industrielle, elle a 3 retombées majeures qui sont en train de changer nos vies de manière extraordinaire, là aussi. Donc, quand on parle de transition, il y en aura plein des transitions, parce qu'il y aura plein de ruptures. Donc plein d'adaptations nécessaires, et aussi plein de créativité souhaitable, parce que pour vivre là-dedans, le mouvement des Gilets jaunes, il est largement lié à ça. Vous parlez l'anglais, vous êtes bien formé, vous êtes à l'aise dans la mondialisation, vous pouvez aller travailler n'importe où, à Londres, à New York, à Bruxelles ou à Singapour. Pour le fils de paysan de Corrèze qui est enraciné dans la glaise, c'est la distinction que faisait Goodhart, cet intellectuel anglais, entre les gens qui sont de quelque part et les gens qui sont de nulle part, cette différence, elle est extrêmement forte. Elle est la vraie rupture sociale aujourd'hui. On parle de France périphérique et d'élite en France, mais c'est pareil, c'est la même idée. Vous pourrez travailler partout dans le monde, comme mes filles, elles parlent anglais, espagnol, elles peuvent aller travailler partout. Mais pour celui qui ne parle pas l'anglais et pour celui qui n'a pas fait les bonnes études, il est empoté à proprement parler. Il a les pieds dans la glaise et pour lui, la mondialisation est une horreur. D'où cette rupture partout avec l'émergence des populistes. C'est ça la vraie origine de Salvini en Italie, du Brexit, de Trump, de Bolsonaro. Je reviens du Brésil, j'y étais il y a 15 jours. C'est terrible ce qui se passe au Brésil, mais c'est pareil. Vous avez la même rupture entre la France périphérique et la France des élites. Et puis elle est partout pareil. Elle est en Italie, elle est en Hongrie, elle est aux États-Unis et Trump sera probablement réélu à cause de cette Amérique périphérique, si je puis dire, qui votera pour lui.
C'est la troisième révolution industrielle. Et là, je vous disais trois retombées. Je vous raconte ça très rapidement, mais ça va changer vos vies et même la mienne. Vous verrez pourquoi, malgré mon grand âge, dans les années qui viennent. La première retombée, c'est l'économie dite collaborative. Elle n'est pas du tout collaborative, elle est hyper conflictuelle. Si vous demandez aux taxis ce qu'ils pensent de Uber, vous verrez que la réponse est rarement collaborative. Si vous demandez aux hôteliers ce qu'ils pensent de Airbnb, la réponse est rarement collaborative. Que vous diront les hôteliers? Ils vous diront, mais c'est un scandale. Airbnb, vous, les particuliers, vous n'avez pas les réglementations, les charges sociales qui pèsent sur vous. Nous, on a des charges sociales, on a des normes incendie, des normes handicap, on a des salariés, on a mille choses qui plombent les coûts. Vous, les particuliers, vous pouvez mettre un morceau de votre appartement ou votre maison n'importe où dans le monde. Vous pouvez mettre ça grâce à une application d'intelligence artificielle. Vous n'avez pas ces charges sociales qui pèsent sur vous, donc c'est une concurrence déloyale. Et c'est vrai, l'argument est bon. Sauf qu'il est mauvais quand même, je vous explique pourquoi. Il est bon et mauvais. Avant d'expliquer pourquoi, Airbnb, c'est le vrai modèle de l'économie dite collaborative, encore plus que Uber, parce que c'est vraiment de l'horizontal, du particulier à particulier, via trois innovations. L'intelligence artificielle, ça, quand même, c'est 5000 milliards d'opérations par seconde. Ce n'est pas le dernier modèle. Hein. 5000 milliards d'opérations par seconde. Ça vous permet de gérer le big data sur un objet connecté qui est dans votre smartphone. C'est les trois innovations. Intelligence artificielle, big data, objet connecté. Point final. Ces trois innovations permettent à n'importe qui d'uberiser n'importe qui ou peu s'en fout. Avec une grande question sur laquelle je reviendrai, la fameuse question de la fin du travail, du RUB, revenu universel de base. En tout cas, pour l'instant, ces trois innovations changent la donne considérablement. L'intelligence artificielle peut traiter des milliards de données, le big data, en quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures. Ça dépend ce qu'on lui demande de faire exactement. Et donc, quand vous avez l'objet connecté dans votre smartphone, vous pouvez, n'importe où dans le monde, aller chez un Airbnb plutôt, donc chez un particulier plutôt qu'à l'hôtel. Ce qui est souvent très agréable, parce que vous rencontrez des gens charmants, vous pouvez parler avec les gens du cru et c'est souvent, la plupart du temps, beaucoup moins cher que l'hôtel. Et donc, on a là trois innovations qui permettent cette économie dite collaborative. Ce qui est nouveau dans cette économie collaborative et qui va poser problème, c'est que grâce à ces trois innovations, des non-professionnels, c'est la seule vraie nouveauté, économiquement parlant, des non-professionnels peuvent uberiser des professionnels de la profession. Je connais bien Airbnb à Paris, il y a zéro professionnel de l'hôtellerie. Il n'y a pas de femme de chambre, il n'y a pas de maître d'hôtel, il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas d'hôtelier. Donc ce sont simplement des gamins qui gèrent une application d'intelligence artificielle, point final. Donc vous pouvez vous improviser chauffeur de taxi avec Waze. Il y a 14 000 gamins dans le 9 cube qui sont des Uber et qui gagnent d'ailleurs assez bien leur vie, qui gagnent pas mal leur vie. Le revenu moyen, c'est autour de 2 500 € net, ce qui n'est pas si mal par les temps qui courent. Et donc, et qui sont sortis de la mouise. Uber a fait plus en termes de politique sociale que toutes les politiques sociales françaises depuis 50 ans. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité dans ce département qui est quand même assez sinistré. Et donc, vous avez là une nouveauté, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, des non-professionnels peuvent uberiser des professionnels. Il y a des métiers qui vont disparaître entièrement, très peu en vérité, beaucoup moins qu'on ne le dit. Mais radiologue, par exemple, ce n'est pas un métier d'avenir. Commissaire aux comptes non plus. Notaire, je serais également inquiet. Voilà des métiers qui seront très très fortement uberisés. Ils ne disparaîtront pas, mais il y aura beaucoup moins de recrutement qu'aujourd'hui. Pour la radiologie, par exemple, pour 10 radiologues dans un hôpital, il en suffira de 2 dès aujourd'hui, en vérité, parce que la machine fait le travail de 20 personnes dans la journée et elle le fait mieux qu'un cerveau humain. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais je veux aller vite. Donc cette économie collaborative, elle est en vérité très conflictuelle. Ce qui est intéressant, c'est le type de conflit qu'elle génère. Philosophiquement parlant, c'est grandiose. Si vous n'avez pas lu l'Antigone de Sophocle, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ne l'ont pas lu, faites-vous plaisir, ça fait 30 pages, ça ne vous tuera pas et c'est génial. Qu'est-ce que c'est que la tragédie grecque? C'est une catégorie de la pensée qui est fondamentale, qui est géniale.
La tragédie grecque, elle met en scène, contrairement à la tragédie moderne, non pas des conflits entre des bons et des méchants, ça c'est facile, hein, quand vous avez Hitler en face, vous savez à peu près ce qu'il faut faire. Quand vous avez Daesh, à peu près aussi ce qu'il faut faire, ou en tout cas ce qu'il faut penser. Mais là, on a affaire à des conflits dans la tragédie grecque qui sont des conflits entre des bons et des bons, des gentils et des gentils. Dans l'Antigone de Sophocle, je vous donne le pitch, pour parler comme Ardisson, dans l'Antigone de Sophocle, Créon est le roi de Thèbes. Créon est un type bien, c'est un très bon roi. Créon est le roi de Thèbes, la ville du Sphinx, dont Oedipe les a débarrassés. Eh bien, Créon est un type bien, il a un neveu qui s'appelle Polynice. Polynice a trahi la cité. Eh bien, c'est la loi, bien que ce soit son neveu, Créon dit, ben, il faut le jeter hors des remparts aux chiens et aux oiseaux. C'est la loi, il applique la loi, mais il n'est pas ravi de le faire, c'est un type bien. Antigone est la sœur de Polynice, c'est donc la nièce de Créon. Et elle dit à Créon, la loi des hommes, je m'en tape, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la loi du cœur, de la famille et des dieux. N'oubliez pas les dieux dans l'affaire, ils sont très importants, mais je les laisse de côté. Et donc Antigone et Créon vont aller jusqu'à la mort, ils vont se combattre jusqu'à la mort, mais Créon est un type bien et Antigone est une femme remarquable. Eh bien, de la même manière, dans l'économie dite collaborative, on a affaire à des légitimités équivalentes. Les hôteliers ont raison de dire « c'est une concurrence déloyale » et les particuliers ont raison de dire « foutez-nous la paix ». Le petit est au chômage, on a une chambre de libre dans la maison, fichez-nous la paix, on ne gagne pas beaucoup d'argent, laissez-nous mettre un peu de beurre dans les épinards en nous organisant entre particuliers. Les deux argumentations sont bonnes. Et voilà pourquoi c'est très emmerdant pour les politiques, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire quand on a deux légitimités équivalentes. Or, c'est une catégorie très importante, cette catégorie de la mythologie grecque, ou de la tragédie grecque, parce que c'est une catégorie qui s'applique à peu près à tout. Je connais bien l'Ukraine, et je peux vous dire que si j'étais ukrainien de l'Est, je serais à fond pro-Poutine, et si j'étais une espèce de Polonais de Kiev, je serais sur la place Maïdan. Si j'étais palestinien et que j'avais 15 ans, je serais antisémite à coup sûr. Et si j'étais un jeune israélien de 15 ans, je détesterais très probablement les Arabes. Et donc, c'est très difficile de sortir de l'unilatéralité, comme dit Hegel, pour parler de la tragédie grecque. C'est très difficile de s'échapper de cette unilatéralité du point de vue quand les légitimités sont pratiquement équivalentes, ou en tout cas défendables. Et c'est le cas dans l'économie collaborative. Les taxis ont raison de râler, leur licence est passée de 240 000 euros à 120 000 ou 110 000 à Paris, ça ne leur fait pas plaisir, mais les gamins qui travaillent pour Uber ont raison de dire « foutez-nous la paix, on s'organise nous-mêmes, on sort de la mouise et on travaille, et on est propre sur nous, et maman est contente ». Donc ils ont raison aussi. Ça, c'est l'économie collaborative, c'est la première retombée. La deuxième retombée, elle va susciter un débat, qui est le débat sur la fin du travail et sur le RUB, revenu universel de base. Et ça, ça vous concerne directement. Je ne vous conseille pas le RUB. Évitez ça à tout prix. D'ailleurs, ça devrait être interdit comme, au même titre que l'inceste ou le viol. Le RUB est une catastrophe absolue. Le RUB, c'est plein de bonne volonté, mais quand un truc est défendu par l'extrême-gauche et par les néolibéraux à la fois, il faut se méfier. Le RUB, c'est à terme 70% de Français qui seraient à quoi ? 600 euros par mois, 800 euros par mois, qui deviendront alcooliques et pleins de ressentiments, et vous aurez 30% qui rouleront en Porsche et qui considéreront que les blaireaux sont des parasites. C'est une horreur. Évitez ça. Le vrai sujet, c'est comment se rendre soi-même complémentaire du monde qui vient, le monde de l'intelligence artificielle. N'allez pas vers la radiologie. Je vous donne tout de suite le résultat des courses. Les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main ne disparaîtront jamais. Les métiers qui associeront l'intelligence, les relations humaines, affectives et le savoir-faire manuel, la machine ne sait pas faire. Jardinier, cuisinier, hôtesse de l'air ou infirmière, ça ne disparaîtra pas. En médecine, le spécialiste disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière. Ça, c'est un vrai modèle à avoir en tête. Quant au RUB, ce serait la pire catastrophe qui soit. Si j'étais encore ministre de l'Éducation, ma première préoccupation serait comment rendre nos enfants complémentaires du monde qui vient pour éviter le RUB, qui serait la catastrophe absolue. Donc, méfiez-vous de ça. C'est une idée pleine de gentillesse au départ. En vérité, quand vous regardez ceux qui défendent le RUB, Bill Gates, par exemple, ils se disent simplement « mais tous ces blaireaux vont nous bouffer, il faut leur donner un peu de pognon, sinon ils vont faire la révolution ». C'est exactement ce qu'ils ont en tête. Pour une fois, Mélenchon avait raison. Il a dit « le RUB, c'est une trappe à pauvres ». C'est exactement ça. N'y allez pas. Je réfléchissais plutôt à la complémentarité avec le monde qui vient. Comment ne pas être bousillé par le monde qui vient? Comment être complémentaire? Comment rester utile dans le monde qui vient? C'est vital.
D'où la deuxième révolution, elle suscite ce débat. Pourquoi ? Parce que c'est la révolution de la mobilité. C'est-à-dire voiture autonome, camion autonome, train, c'est le plus facile, le SNCF. Enfin, le patron de la SNCF sera tranquille. Et donc, parce que le robot d'intelligence artificielle n'est pas syndiqué. Et donc, c'est évidemment, pour le patron de la SNCF, un gros avantage. Peut-être que socialement, c'est pas bien, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Et donc, j'ai essayé dans Paris cette année la voiture autonome. Elle est géniale. Voilà. Contrairement à ce que je lis partout, non, elle est là. Elle est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera sur le marché vendue dans les 5 ans qui viennent, même 10 ans, même 15 ans. Ça mettra probablement 20 ans, peut-être même plus, parce que c'est une question après de marché. Mais j'ai essayé cette voiture qui est une voiture ordinaire. C'était en l'occurrence une Range Rover équipée par Valeo. Il y a 5 équipements pour la rendre autonome niveau 4. J'ai fait 5 km dans Paris, qui est une ville compliquée. Il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a des motos, il y a des scooters, il y a des gens hargneux, il y a des feux rouges. Tout ça est compliqué. J'ai fait 5 km sans toucher une seule fois de volant, en plein Paris. C'est quand même assez bluffant. Elle conduit très bien, elle accélère doucement, elle freine intelligemment, elle laisse passer les piétons, elle n'écrase personne. Elle a fait 8 millions de kilomètres aux États-Unis. Il y a eu 3 morts, mais il y a toujours 3 crétins pour se mettre sous une voiture. Mais elle est géniale, elle est vraiment géniale. Alors, est-ce qu'elle sera commercialisée bientôt ? Non, parce qu'il y a un problème de marché, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour le train, pour le bateau, pour le camion, c'est déjà le cas. Et donc, aux États-Unis, on estime que c'est dans 15 ans 3 millions d'emplois qui seront impactés, notamment pour les truck drivers, puisqu'on parle en anglais ici. Et donc, d'où le débat qui est né aux États-Unis sur la fin du travail. Il est largement lié à ce monde-là. Pourtant, cette voiture n'a que des avantages. Plus de permis de conduire, plus de limitation de vitesse à 80 km/h pour mettre les gilets jaunes dehors, plus d'alcoolisme au volant en Bretagne. Enfin, bref, une révolution. Et alors, alors, je pourrais dire dans le Nord. Mais alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que le Breton arrête de boire, mais c'est qu'il n'a plus de volant, ce qui est beaucoup plus sûr. Et donc, mais je peux dire dans le Nord, dans le Var, je ne suis pas sectaire. Enfin, ma Bretagne est quand même un peu numéro 1 en France. Mais le Var, au mois de juillet et août, mais enfin, comme dirait Marine Le Pen, c'est les étrangers, évidemment. Mais comme chacun sait, nous, on ne boit pas. Enfin, bref, plus de parking dans les villes, tout ça, l'urbanisme va changer. C'est une révolution, avec évidemment un impact sur le monde du travail considérable. L'impact sur les métiers sera moins grand qu'on ne le dit partout. Ce sera un impact sur les tâches plus que sur les métiers. Réfléchissez bien à ça aussi. Très important. Quand j'arrive au ministère en 2002, j'ai 4 ministères, la jeunesse, la recherche, les universités, l'école, ça fait beaucoup. Et puis, il y a des répertoires téléphoniques qui se baladent partout, plus les miens. Et je demande à une de mes secrétaires d'avoir la gentillesse de me rassembler tout ça, de me faire un répertoire. Elle met 10 jours, calligraphié. Aujourd'hui, une fois que c'est scannerisé, mettons qu'on mette 2 heures pour vérifier les trucs. Enfin, est-ce que personne ne mettrait 10 jours pour faire ce travail-là ? Est-ce que j'ai viré ma secrétaire ? Surtout pas. Je lui ai fait créer sa boîte, elle travaille avec moi, on s'appelle 10 fois par jour. Elle fait des choses 1000 fois plus intéressantes pour elle et pour moi que d'écrire à la main un répertoire. La tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. Faites attention à ça, très important. Ce que je dis à mes amis commissaires aux comptes, je leur dis, dépêchez-vous de remplacer les coachs et les psychologues positifs. Ça, vous savez des choses sur les entreprises et l'économie, aidez-les. Et donc, mettez une corde à votre arc, une nouvelle corde. Mais, encore une fois, la comptabilité, par exemple, comme la radiologie, ça disparaît. La troisième retombée, c'est la révolution transhumaniste. Là aussi, j'y ai consacré un livre. Et puis, depuis, ça a beaucoup progressé. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte sur le transhumanisme dans la presse ou dans les livres. La plupart du temps, c'est un tissu de conneries, pour dire les choses franchement. Donc, ça n'a rien à voir ni avec l'eugénisme, ni avec le nazisme. Enfin, tout ça est absurde. C'est exactement le contraire. Ces trois idées qui sont discutables comme toutes les grandes idées, mais qui sont extrêmement intéressantes. Et elles sont liées donc à l'intelligence artificielle, à ces nouvelles technologies. Le transhumanisme, ces trois idées, c'est un mouvement qui naît aux États-Unis. Il est financé à coût de milliards de dollars par les GAFA, surtout par Google, mais par les autres GAFAMI, je devrais dire, Microsoft, IBM en font partie, mais aussi par les BATXH chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, sont plus puissants que les Américains. Ils sont plus puissants pourquoi ? Ils sont plus puissants parce qu'il n'y a pas de protection de la vie privée. Et comme ce qui booste l'intelligence artificielle, c'est d'abord la quantité de data qu'on lui donne à bouffer, en Chine, ça va beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs.
Je ferme la parenthèse, mais ça vous explique pourquoi le RGPD est sans doute la pire connerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'Europe. Ça ne protège rien du tout, le Règlement général de protection des données, c'est la ligne Maginot, tout passe à travers. Pourquoi ? Parce que quand vous naviguez sur Google, sur Facebook, Instagram, etc., Twitter, tout est américain. Donc vos données partent de toute façon vers les Américains qui n'ont rien à foutre du RGPD. Donc à part faire travailler les avocats et emmerder les TPE-PME, ça ne sert strictement à rien. Plus vous protégez la vie privée ou faites semblant de le faire, parce que si ça protégeait vraiment, je serais pour, mais ce n'est pas le cas. Je vous donne un chiffre qui dit tout. Google a gagné en 2018 100 milliards de dollars, je dis bien 100 milliards, pas 100 millions, juste en revendant nos historiques de navigation pour que les entreprises puissent cibler la publicité. C'est ce que Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, a appelé l'économie biface. Vous naviguez sur Google, c'est gratuit pour vous. Google ramasse vos historiques de navigation et les revend à des entreprises pour cibler la publicité. Vous voulez changer de voiture, vous naviguez sur les sites de Peugeot ou de Renault si ça va mal, d'Audi ou de Mercedes si ça va mieux, et vous recevez une pub d'Alfa Romeo ou de BMW. Voilà, et donc tout ça est fait automatiquement par algorithme, mais c'est le modèle économique de l'économie biface, analysé encore une fois génialement par Jean Tirole. Ces trois idées, le transhumanisme, et puis j'aurai bientôt fini. Mais ces trois idées géniales, moi je trouve géniales, passionnantes en tout cas, discutables mais passionnantes. La première idée, c'est que quand les Chinois, les Arabes ou les Grecs inventent la médecine, le seul modèle de la médecine, c'est le modèle thérapeutique. On appelle le médecin quand on s'est cassé la figure, quand on est malade, il est là pour soigner, pour réparer, rien d'autre. Ce que disent les transhumanistes, c'est que bien sûr, on a besoin toujours de thérapeutique. Moi, j'ai fait 3 ans de biologie du cancer, sérieusement. Il y a eu 157 000 morts du cancer cette année. On a toujours besoin de soigner. Même si ça progresse formidablement, on a quand même toujours besoin de soigner. Donc, ils ne disent pas qu'on en a fini avec la thérapeutique. Ils disent qu'on peut ajouter au modèle thérapeutique un modèle augmentatif, enhancement en anglais. C'est un mot qui revient des millions de fois dans cette littérature. Améliorer l'espèce. Faire pour les humains ce qu'on fait pour un grain de maïs OGM quand on le protège des inondations au Vietnam ou de la sécheresse en Afrique. Donc améliorer l'espèce. Alors dès qu'on dit ça, alors là, Jacques Testard hurle, c'est fini, on va fabriquer des bébés aux cheveux blonds avec une casquette bleue et une croix gammée sur le front dès l'âge de 6 mois. Non, il ne s'agit pas de fabriquer un surhomme nazi ou nietzschéen, il s'agit, deuxième idée, simplement d'augmenter la longévité, point final. Il s'agit de faire reculer la mort et la vieillesse. Et il y a beaucoup de moyens de reculer la mort et la vieillesse. Il y en a un qui est vraiment génial. Alors là, je vous donne un conseil, parce que franchement, ça vaut la peine. Allez voir la TED conférence de mon ami Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche à l'INSERM à Montpellier. Vous tapez Jean-Marc Lemaître sur Google, vous tapez longévité, vieillesse, et vous trouverez un quart d'heure de conférence sur les progrès qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la longévité, notamment grâce à une découverte absolument géniale, dont je vous dis quand même un mot, parce que c'est assez bouleversant et c'est très très récent. En 2012, un Japonais, biologiste et médecin, fait une découverte extraordinaire qu'il va lui valoir le prix Nobel de médecine. Il découvre que, comme vous le savez, il faut d'abord que je vous dise ça, mais enfin vous avez tous fait de la biologie là, au moins au lycée, quand dans l'embryon, vous savez que toutes nos cellules pendant 5-6 jours sont des cellules souches embryonnaires qui sont capables de fabriquer tous les tissus. Elles vont fabriquer du cœur, du foie, des muscles, de l'os, du cheveu, etc. Et donc 400 tissus humains au début, on n'a que des cellules souches, hein, embryonnaires. Mais une fois qu'elles sont différenciées, une fois qu'elles sont devenues cellules du cœur, du foie, de tel ou tel muscle, des cheveux, etc., c'est fichu, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'on gardait les embryons, on congelait les embryons, parce que dans la médecine réparatrice, c'était utile d'avoir ces cellules souches. Hein, c'est le problème de la queue de la salamandre. Vous coupez la queue d'une salamandre, contrairement à la nôtre, cher ami, elle repousse. Donc, nous, c'est emmerdant, ça, c'est, il faut faire attention. Là, la queue de la salamandre repousse, parce que la salamandre est un animal qui... Non, je ne vous visais pas spécialement. Contrairement à nous, la salamandre, elle garde ses cellules souches toute sa vie. Nous, on les perd tout de suite au bout de 5 jours. Elles sont différenciées, ça ne revient pas en arrière. Donc, on congelait les embryons, ça faisait hurler l'Église. Et ce que découvre Yamanaka, c'est qu'on peut inverser le processus de vieillissement des cellules. Génial.
On peut, en partant de cellules adultes différenciées, on peut en refaire des cellules embryonnaires, qu'on appelle les IPS, ça veut dire cellules embryonnaires induites, on refabrique des cellules de l'embryon, ce qui permet de faire de la médecine réparatrice de manière assez extraordinaire. Ce qu'on fait un peu partout maintenant en France, d'ailleurs, des patchs cardiaques avec des cellules souches pas embryonnaires, induites justement. Et ce que découvre mon ami Jean-Marc Lemaître, donc en 2017, c'est tout récent, c'est qu'on peut le faire aussi avec les cellules sénescentes, des cellules de centenaires, qui sont des cellules passées 50 ans. On a dans le corps humain des cellules qu'on appelle sénescentes qui ne se divisent plus, qui restent vivantes et qui synthétisent dans l'organisme toutes sortes de facteurs abominables, maladies inflammatoires, arthrite, arthrose, la perte des cheveux, la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, ça n'a rien à voir avec Sarkozy, mais c'est la misère de la viande, ça veut dire en grec, c'est la masse musculaire qui disparaît. Toutes ces maladies d'ostéoporose sont liées à ces cellules sénescentes et beaucoup de cancers aussi. Et donc on peut reprogrammer même les cellules sénescentes en cellules souches induites, qui sont de meilleure qualité que les cellules souches embryonnaires. Donc c'est génial. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a inversé les processus de vieillissement. Alors, ça ouvre une... Quand inverser le processus de vieillissement cellulaire, ça ne veut pas dire inverser le processus de vieillissement de tout l'organisme, mais la voie est ouverte et évidemment, mes filles vivront 130 ans. Mais pas comme Jeanne Calment. C'est pas... Vous vivrez probablement 130 ans. Mais pas en vieillissant. Vous ne deviendrez pas des vieilles choses. C'est que la vieillesse sera ralentie considérablement. Quand vous aurez 110 ans, vous aurez l'air d'en avoir 70. Quelque chose comme ça. Et le coup est parti et ça ne s'arrêtera pas. Personne n'arrêtera ça. Et la troisième idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée que la nature n'est pas sacrée. J'ai défendu le mariage gay dans le Figaro, ce qui m'a valu des centaines de messages d'insultes, parce que je leur disais, la nature n'est pas un modèle moral. Si vous voulez être contre le mariage gay pour des raisons religieuses, je m'en fous, moi je ne suis pas croyant, mais c'est votre droit. Mais ne prenez pas cet argument de débile mental qui consiste à dire que la nature est un modèle moral. La nature, c'est Darwin. La nature, c'est l'élimination des faibles et des handicapés et des vieux et des enfants dans la nature. L'antilope qui a une patte cassée, elle est bouffée par le lion en premier. Darwin a raison. Tout ce qu'on a inventé de grandiose dans l'État-providence, la protection des faibles, des malades, la retraite, tout ça est antinaturel, y compris les antibiotiques, toute la médecine moderne est antinaturelle. Il y a un proverbe africain que j'adore, il dit ceci, quand tu es poursuivi par le lion, il est inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que ton voisin. Celui-là, je l'aime beaucoup, il me plaît énormément. Ben, si le voisin est vieux, handicapé, malade, c'est tout bénéfice. C'est ça la nature. Donc ne prenez pas, à part les nazis, personne ne prend la nature comme un modèle moral. C'est absurde. Voilà. Tout ce qu'on fait de bien moralement est antinaturel en vérité. Donc là, il y a un vrai débat philosophique de fond. Je suis très antinaturaliste. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un fan d'écologie, sauf quand c'est de l'écologie scientifique. Mais pas la sacralisation de la nature. La nature n'est pas sacrée. Et donc, ce que disent les transhumanistes, c'est que si on peut, grâce à CRISPR-Cas9, le ciseau moléculaire, aller dans l'embryon, découper un gène muté pour le mettre à la place un gène sain, ce qu'on sait faire aujourd'hui dans les thérapies géniques, allons-y, la nature n'est pas sacrée. Ça met l'Église hors d'elle. Moi, ça me réjouit profondément. Voilà. La troisième idée, donc première idée, médecine de l'augmentation. Deuxième idée, augmenter quoi ? La longévité, en bonne santé évidemment. Et troisième idée, la nature n'est pas sacrée. Je conclue avec, au fond, simplement deux idées. Et puis je vous laisse en paix. D'ailleurs, ça va, je n'ai pas parlé si longtemps que ça finalement. La première idée, c'est que, en fait, trois idées, puisque du coup, j'ai un tout petit peu plus de temps. La première idée, c'est qu'on vit une révolution du sacré, la sacralisation de l'humain. J'y reviens pas. La deuxième idée, c'est qu'il faut vous rendre complémentaire du monde qui vient, très important, et non pas adhérer à cette thèse absurde du RUB. Et troisième idée, l'Europe n'est pas dedans. Tout est américain et chinois aujourd'hui, tout. Israéliens ou Suisses, qui sont les deux pays les plus innovants du monde, avec évidemment la Silicon Valley et l'Est de la Chine, à cause des laboratoires pharmaceutiques. Pasteur Weizmann en Israël, les laboratoires du type Roche en Suisse. Et donc l'innovation suisse, d'ailleurs, Suisse, c'est 2,2 points de chômage ce mois-ci. Nous, on était à 8,5 et Macron trouve ça très bien. C'est fou. L'Allemagne est à 3 points. La Suisse à 2,2. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays d'innovation, de créativité. Et donc, les quatre pays les plus innovants du monde, c'est donc la Suisse, Israël, et puis évidemment la Silicon Valley et l'Est de la Chine, avec la Chine en tête.
Pourquoi ? La Chine en tête, parce que, je vous le disais tout à l'heure, comme il y a zéro protection de la vie privée en Chine, l'intelligence artificielle s'est développée considérablement. Conclusion sur ce point-là, il y a trois facteurs qui boostent l'intelligence artificielle, si vous voulez bien comprendre. Et pourquoi l'Europe n'est pas dedans ? Parce qu'on n'a pas investi dans l'affaire et qu'on a une Europe qui est complètement éclatée depuis Maastricht. Mais je ne peux pas développer ça, ce serait trop long. Mais sur l'intelligence artificielle, ne commettez pas l'erreur que font beaucoup de gens qui consiste à confondre les trois types d'intelligence artificielle. Ce sera ma conclusion et je vous laisse avec ça. La première intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'IA étroite et faible. Étroite parce qu'elle ne sait faire qu'une seule tâche, par exemple jouer aux échecs, elle peut battre le champion du monde d'échecs depuis 1997, Kasparov, avec Deep Blue, elle bat le champion du monde de jeux de Go, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, List Idol en 2016. Elle a battu les 4 meilleurs joueurs de poker l'année dernière avec un ordinateur qui s'appelle Libratus, ce qui est difficile pour une machine parce qu'au poker, il faut bluffer. Et donc c'est compliqué, il faut mentir et savoir quand l'autre vous ment. Elle est vraiment géniale, mais elle ne sait faire qu'une seule tâche. Elle peut séquencer le génome d'une cellule cancéreuse, et donc permettre de faire des thérapies de précision. C'est génial, mais elle ne sait rien faire d'autre. Elle est comme un nageur dans son couloir, donc on l'a dit, étroite. Et faible, pourquoi ? Alors qu'elle est très forte, parce qu'elle n'a pas la conscience de soi. Elle a moins de conscience de soi qu'une souris. Elle ne pense pas, elle raisonne. Algorithmes géniaux, mais elle n'a aucune pensée, aucune conscience de ce qu'elle fait. Donc elle est étroite parce qu'elle n'a qu'une seule tâche et faible parce qu'elle ne pense pas, elle a zéro conscience de soi. Mais elle est quand même géniale. C'est elle qui fait tourner toute l'économie collaborative. C'est elle qui fait tourner Uber, Airbnb, etc., Blablacar, etc. Sans cette IA, zéro innovation que je viens de vous raconter. Aucune des trois n'existerait sans cette IA-là. La deuxième IA, c'est la même, mais large. Elle est plus étroite. Elle sait faire 1000 choses. Elle essaye d'être meilleure que nous dans tous les domaines. Mais elle ne pense toujours pas. Elle n'a pas la conscience de soi. Par exemple, en médecine, elle va être aussi bonne en cancérologie qu'en radiologie, qu'en dermatologie, qu'en cardiologie, etc. Et puis en placement financier, elle est meilleure que n'importe qui. En analyse juridique, en criminologie. Donc vous avez des systèmes larges. Ils ne pensent toujours pas, mais ils ont des algorithmes et des bases de données suffisamment puissantes pour qu'ils soient meilleurs que nous quasiment dans tous les domaines. Il y a trois paramètres qui boostent cette IA large mais faible. Premier paramètre, la puissance des ordinateurs. Et là, gardez le chiffre en tête parce que ça rend fou. Quand Konrad Zuse, un Allemand, invente la première machine à calculer électronique en 1938, il est tout fier parce que sa machine, elle est capable de résoudre une opération par seconde. Même compliquée, même une racine carrée. À l'époque, c'est génial. Aujourd'hui, les derniers ordinateurs chinois, qui sont pour les raisons que je vous ai dites plus puissants que les ordinateurs américains, parce qu'ils n'ont pas de protection de la vie privée, eh bien, les derniers ordinateurs chinois, écoutez bien, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Je dis bien 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc ça vous permet d'analyser toute la toile. Et ça, comme je vous le disais, c'est 5000 milliards d'opérations par seconde. Ça vous permet d'avoir Blablacar, Airbnb, etc. Et le troisième paramètre, c'est la quantité de data qu'on donne à bouffer à la machine. Google construit la plus grande base de données avec 2500 hôpitaux de cellules cancéreuses. Ce qui compte dans les cellules cancéreuses, c'est les mutations des cellules. Vous avez un cancer, vous avez un médicament qui marche, puis ça ne marche plus, parce que ces saloperies mutent sans arrêt. Et donc, très intéressant d'avoir une banque de données considérable. Je vous donne un exemple qui est réel. Un enfant de 5 ans reconnaît un tigre d'un lion ou un zèbre d'un âne avec 3 photos. La machine, vous allez lui en donner peut-être 1 million de photos, des photos qu'on prend sur des sites où elles sont étiquetées, où c'est marqué chien, chat, on donne toutes les marques de chien, si je puis dire, toutes les races de chats, etc., ou de tigre ou de lion. Mais une fois qu'elle a bouffé 1 million de photos ou 2 millions de photos, elle vous reconnaît un tigre d'un lion à 3 km sur une photo floue avec 1 cm² d'oreille. C'est comme ça qu'elle est meilleure que les médecins en dermatologie ou en radiologie. Ce n'est pas un miracle, c'est que la base de données est géniale. En dermatologie et en radiologie, il y a une expérience qui a été relatée dans Nature et Science, qui sont les deux revues scientifiques les plus importantes au monde l'année dernière. Compétition entre 52 dermatologues et une machine de diagnostic médical. 52 PUPH, très haut niveau, 17 pays différents. On leur a montré des photos de grains de beauté pour savoir si c'était cancéreux ou pas, si c'était carcinome ou mélanome. Mélanome est un très mauvais cancer. Même si l'immunothérapie progresse, ça reste un des plus mauvais. Et donc, on leur montrait ces photos de grains de beauté. 95% de bonnes réponses pour la machine, 82% pour les humains.
Ils étaient désespérés. Et ils ont dit, mais attendez, nous, on est des humains, donc on parle avec le patient, on veut savoir, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge il a ? On leur a dit, ok, allez-y. On leur a filé les patients qui étaient derrière les photos. Ils ont monté de 82 à 89%, mais ils étaient toujours ratatinés par la machine. Pourquoi ? Parce que la base de données et l'analyse de la photo, on est battu. La troisième IA, et je vous laisse avec celle-là, elle me fait... J'y crois pas du tout. Les deux premières sont là, elles posent déjà beaucoup de problèmes. La troisième, mais c'est génial en même temps, on rentre dans un monde vraiment extraordinaire, fascinant. Il y a pas... Quand j'en parle, les Français sont toujours le vent debout, mais c'est génial ce qui se passe, c'est grandiose. Et si en plus on peut m'empêcher de mourir dans 10 ans, j'en serais ravi. Donc tout ça est quand même très intéressant. Si on arrive à éradiquer la question du cancer, comme a dit Google, dans 20 ans, mais c'est des millions de morts dans le monde avec des millions de souffrances dans les familles. C'est génial ce qui se passe, c'est grandiose. Ne voyez pas simplement les côtés négatifs comme le font toujours les Français. La troisième IA, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. C'est le projet de Google. Il y a un projet équivalent en Europe, il s'appelle Blue Brain, et donc l'idée c'est de fabriquer une vraie intelligence qui penserait, qui ne serait pas simplement capable de calculer génialement avec des algorithmes grandioses, mais qui serait capable d'avoir la conscience de soi. J'ai beaucoup discuté avec les gens de la singularité, de chez Google, parce que moi j'y crois pas du tout, mais je voulais comprendre pourquoi eux ils y croient. Ils pensent qu'on va arriver à fabriquer une vraie pensée, conscience de soi. Si vous voulez, qu'on va fabriquer, on a 100 milliards de neurones, en principe, ils sont pour l'essentiel dans le cerveau, pas tous d'ailleurs, chez certains d'ailleurs ça se voit beaucoup, mais voilà, l'idée c'est de fabriquer un cerveau, un vrai cerveau, mais sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, sur une base non biologique. Et leur idée c'est que si on fabrique des neurones artificiels suffisamment puissants, la conscience apparaîtra. Pourquoi ils y croient ? Moi, j'y crois pas du tout. Pourquoi ils y croient ? Ils y croient parce qu'ils sont matérialistes, philosophiquement parlant. Ça veut dire quoi, matérialiste ? Ça veut dire qu'un matérialiste, c'est quelqu'un qui pense, au fond, que nous sommes déjà des machines, sophistiquées et vivantes, mais machines quand même. Ils sont monistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que la pensée et le cerveau, c'est la même chose, comme Spinoza. Par l'âme et le corps, j'entends la même chose, dit Spinoza. Et donc, ils sont monistes et matérialistes, et par conséquent, ils disent, ont un argument fort et bête, si je vous détruis le cerveau, vous penserez beaucoup moins bien, et vous aurez beaucoup de mal à trouver votre âme. Et donc, contrairement aux chrétiens, ils ne pensent pas qu'il y a l'âme d'un côté, le corps de l'autre, et que l'âme va aller au ciel quand le corps sera mort, mais ils sont monistes et matérialistes, et donc ils pensent que, du coup, la question de fabriquer des connexions de neurones artificiels suffisamment puissantes pour que la conscience en sorte, n'est qu'une question de temps. Donc, ils croient vraiment à cette IA forte. Alors, moi, je rigolais, mais sachez quand même que Bill Gates y croit, Elon Musk y croit, Stephen Hawking, qui vient de mourir, y croyait. Il a dit, si on arrive à l'IA, vous pouvez trouver ses entretiens sur Google facilement, justement. Il a dit, si on arrive à l'IA forte, ce sera un grand pas pour l'humanité, mais ce sera le dernier. Pourquoi le dernier ? Parce qu'on aura fabriqué une machine darwinienne qui n'aura qu'une idée, comme toute machine darwinienne, c'est d'éliminer ceux qui peuvent l'éliminer. Vous voyez ? Donc le débat est ouvert, parce que Bill Gates y croit, Stephen Hawking y croyait, Elon Musk y croit, Zuckerberg est hésitant, mais il faut quand même écouter ces gens-là, parce que ce n'est pas des fanatiques des blouses grises et des plumes sergent-major, ce n'est pas des fans de la Troisième République, ce n'est pas Finkielkraut, Régis Debray et Michel Onfray. Donc il vaut mieux écouter les artisans de la Troisième Révolution industrielle, parce qu'ils sont eux-mêmes un peu effrayés, là, à l'idée qu'on arrive à une IA forte. Et si on arrive à une IA forte, vous pouvez trouver les entretiens d'Elon Musk sur Google facilement. Il dit, si on arrive à l'IA forte, alors on sera par rapport à cette post-humanité, là, on sort du transhumanisme, on sera par rapport à cette post-humanité comme nos animaux domestiques, nos chiens et nos chats, par rapport à nous aujourd'hui. La vérité, c'est que ce sera bien pire. On sera comme Néandertal par rapport à Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est nous. On sait aujourd'hui qu'on a exterminé Néandertal parce qu'on était plus intelligent et qu'on était plus méchant que lui. Et qu'il avait la tronche des Bogdanov, remarque, mais ce n'est pas une raison. Et donc, on a, qui sont mes meilleurs amis, mais ils n'auraient pas dû, mais ils ne sont pas malades, hein, ils ont foutu du botox dans le menton pour essayer de ressembler à nouveau à des extraterrestres, que hélas, ils ont réussi à faire. Mais bon, c'est par ailleurs des gens adorables. Voilà, donc ces trois IA, les deux sont là, les deux premières, la dernière n'y est pas, et donc c'est la raison pour laquelle vous aurez l'obligation, alors peut-être pas d'avoir trois vies amoureuses, ça c'est pas une obligation absolue, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais enfin, à mon avis, c'est ce qui vous arrivera à 90% d'entre vous, donc vous ne mariez pas trop tôt, c'est pas la peine, et puis vous aurez trois vies professionnelles à coup sûr, vous serez obligé de changer de métier, et la question de la formation permanente sera cruciale pour vous, encore beaucoup plus que pour ma génération. Merci de votre attention, et je vous laisse en paix. Oups, et voilà. Ça y est, à 1h, c'est bon.